السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، يا أهل العلم، يا أهل الثقافة، يا أهل الخير بجامعة محمد الخامس بالرباط. طلبتنا الأعزاء، مرحبا بكم، ونجدد بكم الترحاب إلى مجموعة تدريب جامعة محمد الخامس بالرباط لفائدة طلبتها. اليوم مميز للغاية. كيف يكون مميزا؟ لأننا سوف ننهي ما بدأناه في الحلقة السابقة. أكيد نتعلم، نستفيد ونفيد، ونقول لكم مرحبا بكم إلى هذه الحلقة المميزة للمهارات المرنة. مرحبا، أهلا وسهلا. ننتظر الطلبة. الطلبة يلتحق بنا الآن. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. Un grand bonjour à tous. Très très honoré et fier d'être parmi vous aujourd'hui pour une séance qualitative. Très honoré. C'est une séance qui a été organisée, choisie et engagée par notre université Mohamed V de Rabat au profit de ses étudiants. Le point essentiel et valeureux, c'est notre formation et coaching en continu en développement personnel, organisationnel et stratégique. Chers étudiants, chers hôtes de marque, le savoir, notre savoir, il faudrait qu'on orne encore nos valeurs avec ces méthodes, avec ces techniques, avec ces connaissances pour être en mesure d'exceller, Inch'Allah, Inch'Allah. Marhaban bikoum, wa alaykoum salam, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuh. Jayid, dilghaya. Sachez que nous vous adorons et que nous pensons sincèrement, stratégiquement aussi et continuellement à votre réussite, tout comme vous le faites soigneusement vous-même, chers étudiants, chère audience de marque. Nous sommes dans une phase d'étude exceptionnelle, vous le savez, qui mérite une attention, une pleine conscience, exceptionnelle et singulière, je dirais. Très très bien. Marhaba bikoum. Nous attendons nos étudiants et nos invités. Nous sommes conscients certainement de votre adhésion au processus d'apprentissage, de compréhension et de révision, ce qui pousse à plus de pratique, certainement pour gérer à bon escient et avec une mesure encore plus avancée et plus sculptée, notre travail journalier. Ensemble, nous y arriverons avec la meilleure des méthodes, Inch'Allah Ta'ala. Plusieurs rites ou habitudes ont changé d'un seul coup, et vous le savez, dans les temps de Corona, notre manière d'étudier, de comprendre de près, notre effort en distanciel, de réviser encore, aussi de mieux communiquer, d'œuvrer à la bonne communication avec nos pairs, avec les amis, avec les camarades de classe qui nous ont manqué, c'est certainement, surtout si nous étudions à distance, nos professeurs également, ceux que nous allons rencontrer ou voir de près, Inch'Allah Ta'ala. Certainement, on va aller directement pour voir la thématique de près. Et la thématique s'intitule « Flexibilité mentale et adaptabilité ». Écrivez-le, comme ça on aura à faire un tout petit résumé de cette petite heure. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette thématique? Une lecture de ce que nous vivons déjà, parce que moi je vois autour de moi que les gens sont flexibles mentalement, en comportement, que moi aussi d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un effort en cela. Une interprétation et surtout une proactivité exemplaire. Donc, comprendre, apprendre et entreprendre de nouvelles compétences, des compétences soutenues, je dirais, ou existantes déjà chez vous, et qui nécessitent de les réactiver, c'est ça. Aujourd'hui, notre environnement, notre écosystème est marqué par des éléments nouveaux. Il y a des choses qui ont changé dans ce monde. Et fort intéressant, je dirais, les métiers évoluent à grande vitesse. Il y a maintenant des métiers qui n'ont pas été il y a 10 ans de cela. Il est donc fondamental d'être capable d'apprendre, de se former en permanence. Il faut qu'on s'entraîne, il faudrait qu'on se forme, mesdames et messieurs, et encore mesdemoiselles.
Je commence. Marhaban bikum, ahlan wa sahlan, Allah al-mu'in, shukran lakum, jou'a mubaraka, atahiyati lil ikhwa wal akhawat, alladhina iltahaqu bina. Alf marhaba, at-tasjil sayabqa ala as-safha, bilnisba lilladhina talabu dhalik. Satakunu dawra bil lugha al-arabiyya wa bi ya'ni bil faransiyya ma'a ba'd al-lugha al-arabiyya, luzum tanwi' al-khitab kama qulna salifan. L'étudiant universitaire se doit d'être en constante et persévérante culture. Il faut qu'il soit dans une culture où savoir en développement personnel, orienté solution, organisationnel, stratégique d'ailleurs. Il faut qu'il soit encore avisé sur les nouveautés des neurosciences, comment fonctionne le cerveau, comment on pourrait aller très très vite pour faire les choses, être vivant par son apprentissage reçu durant un cursus, je dirais lycéen et universitaire à la fois. Recherchons ensemble, sculptant et valorisant ce qui représente un avantage, un privilège, je dirais, de taille pour une vie estudiantine, professionnelle encore et personnelle plus développée et rayonnante. Il faut qu'elle soit rayonnante. La vie, nous avons une seule vie, il faudrait qu'elle soit chatoyante et rayonnante. Nous cherchons tous à être épanouis, confirmés et vifs. Dans un processus d'apprentissage semblable, nous gagnerons beaucoup en recherche, en connaissances et en compétences. La persévérance, l'assiduité, venir à temps, la constante, la constance, d'accord, la régularité, il faudrait qu'on soit régulier, l'énergie paye en ce sens. Et on va rentrer dans les détails tout de suite. Au bonheur de découvrir de nouvelles choses. Tout comme nous avions initié notre conférence en ligne, la question qui se pose, qu'est-ce que les soft skills? Et on a répondu largement. Les soft skills désignent des compétences, des compétences comportementales, maharat sulukiya, acquises dans des milieux d'apprentissage réels. C'est ce que j'ai appris. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que il faudrait qu'on soit vraiment dans des stages réels, dans un environnement réel, dans l'entreprise ou encore à l'université même, pour les TD, pour les travaux dirigés, etc. Tushiru al-mahara al-marina ila al-mahara al-sulukiya, التي يتم اكتسابها من خلال ماذا؟ من خلال التدريب، وهذا مهم للغاية. Les soft skills peuvent être définis comme étant l'ensemble des compétences douces, des compétences humaines, je dirais, relationnelles, tout comme on a dit, sociales, émotionnelles et comportementales. Elles sont à la fois innées, déjà, car intrinsèques à la personnalité de chaque individu, mais aussi acquises. Il faudrait qu'on l'acquière, il faudrait qu'on acquière des soft skills pareils, il faudrait qu'on s'entraîne, il faudrait qu'on se mette dedans. Je vous donne un exemple qui est concret. Ces jours-ci, j'invite des étudiants à vivre des lives, des directs, en direct avec moi comme animateur. Et quand je trouve que les étudiants ou étudiantes disent oui avec un grand oui, ça j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que les soft skills, il faudrait y plonger et apprendre à nager. C'est un peu ça. Il faudrait qu'on fasse un effort en nous et la première, la deuxième et la troisième nous rendra des professionnels et prêts surtout pour l'entreprise. Les soft skills se révèlent particulièrement importants pour constituer des équipes. Oui, moi et toi, nous formons une équipe, une paire qui est forte pour un travail soudé encore, solidaire et efficace. Toutefois, ces compétences servent également les performances commerciales de votre entreprise. Vous savez aussi bien que moi que l'image de l'entreprise dépend de vos manières, de vos soft skills. La conduite du changement nécessite encore des soft skills particulières et on y arrivera un jour en mettant l'accent sur ce point, sur cette soft skill qui est véritablement très très demandée. Nous en reparlerons au cours de cette séance surtout. المهارات الشخصية مهمة بشكل خاص لبناء فرق عمل متماسكة وموحدة وفعالة، هكذا نود أن نكون. ومع ذلك فإن هذه المهارات تخدم أيضا أداء يعني أعمال يعني أداء عملك.
فضلا عن قدراتنا على تجديد نفسنا كل يوم من خلال التعلم ومن خلال التدريب كذلك. La question, c'est pourquoi est-il si important aujourd'hui de considérer les soft skills dans votre dynamique d'apprentissage? Pourquoi on le demande, surtout en fin d'année, mais pourquoi on le demande déjà depuis toujours? Cela demande des qualités d'écoute. Il faudrait qu'on écoute activement, d'empathie. Vous savez bien, aussi bien que moi, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, mais aussi d'être capable de gérer ses émotions et résoudre les conflits, de savoir gérer encore sans stress, afin d'éviter les tensions dans un monde. La gestion du stress va avec votre manière d'être, avec votre connaissance de soi. Quand vous vous connaissez, vous vous stressez un peu moins, c'est un peu naturel. Et il y a une relation avec les clients, avec les prospects, avec les collaborateurs, exigeants, et avec des chefs d'entreprise, si vous n'êtes pas l'un d'eux déjà, ou l'une d'elles déjà. Maintenant, on va aller directement, je pense, pourquoi votre université présente les meilleurs soft skills au monde, à l'entreprise et surtout à ses étudiants? Les composants de votre université vous adorent déjà. Donc, tout simplement, ils vous gratifieront d'un bouquet de 14 soft skills suivis durant ce mois et le mois prochain. Et on apprendra beaucoup. Déjà, on initie avec la première et la deuxième. C'est une initiation aux soft skills. Mais on va rentrer dans les détails de la praticabilité, de la créativité, et encore de la proactivité, et beaucoup d'intelligence émotionnelle, relationnelle, langagière, comment on prend la parole, comment on pourrait accéder à la vente, etc., etc. Réunira des étudiants et étudiantes autour de tables rondes, des séances en présentiel et encore à distance, tout comme on l'a souhaité tout à l'heure. Pourquoi a-t-on besoin de ces soft skills maintenant, aujourd'hui? Des compétences de communication, c'est naturel, on ne peut pas ne pas communiquer. Des pensées positives, encore analytiques et critiques surtout. Leadership, vous connaissez le mot, vous connaissez l'astuce, vous connaissez le principe déjà, les compétences relationnelles et émotionnelles. Encore, on parlera d'attitude positive, le travail d'équipe, oui, il y a une formation dédiée à cela, surtout en deux temps. L'éthique au travail, c'est une qualité pour vous, chers étudiants, chères étudiantes, surtout quand vous êtes dans une entreprise qui se fait vendre, c'est-à-dire qui vend sa marque, c'est un peu ça. Donc, c'est pour votre émancipation, votre boost, c'est ce qu'on appelle le boost, de compétences, votre aisance, je dirais, dans vos expériences futures, certainement. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, entamons la quintessence des thématiques pour sculpter notre savoir sur la discipline. Je dirais majestueusement et de vive voix que dans un monde où le digital et l'innovation autour de nous sont au cœur des stratégies d'entreprise, il est indispensable pour les collaborateurs de ne pas avoir peur du changement. Mais au contraire, il faudrait qu'on fonce, il faudrait qu'on sache de savoir le gérer et l'accepter. Le changement, il vient, moi je l'amadoue, je l'absorbe, je le gère, je le fais rentrer en moi. Il faudrait que j'aille avec le changement. Pour être acteur de ce changement, les dimensions humaines et relationnelles jouent un rôle toujours plus crucial. C'est ce que je voulais vous faire passer aujourd'hui dès le début. On passe directement à la flexibilité et à l'adaptabilité. Et je vous dis encore une fois que demain, Inch'Allah, nous aurons un débat fructifiant avec des étudiants de l'Université Mohamed V sur la même thématique, mais avec d'autres manières, avec des propos différents, on va rajouter des choses, on va rajouter des expériences des étudiants, et ça va être magnifique parce que c'est les étudiants qui préparent ça, et c'est les étudiants qui prennent la parole. Et c'est un besoin urgent, il faut qu'on prenne la parole pour dire un petit peu ce que l'on sait. Flexibilité et adaptabilité. Flexibilité mentale déjà, c'est une flexibilité cognitive. Donc, ma'rifia, il y a tellement, on le sait bien, le morona, l'aklia, le morona, le ma'rifia, représente un atout de taille pour une vie professionnelle. Je vais vous dire un petit peu professionnel et personnel encore. Plus épanoui, ce qu'on veut déjà. D'après l'étude de World Economic Forum, les 10 soft skills essentiels pour 2020, surtout dans des temps de corona, la flexibilité mentale,
Waouh, la flexibilité dans le travail, l'adaptabilité, c'est d'ailleurs une des soft skills qui favorise l'employabilité de candidats. Si vous êtes flexible mentalement, je vous embauche. C'est un peu ça ce que disent un peu les responsables des entreprises, surtout les responsables qui font adhérer les lauréats directement. La flexibilité, la dernière soft skill qui favorise l'employabilité des candidats est la flexibilité mentale, j'ai dit. Très, très demandée. En effet, l'automatisation des process, l'évolution des méthodes de travail, la multiplication des outils, je dirais, les outils modifient durablement le profil des candidats recherchés par les entreprises au XXIe siècle. Ça a changé depuis. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça n'a pas été comme ça. Mais flexibilité mentale reste. La flexibilité, c'est une forme de souplesse. Être souple, c'est essayer de gérer les choses à bon escient pour arriver à un objectif fin qui permet de s'adapter encore. Donc la flexibilité permet l'adaptabilité à ces personnes, s'adapter à des personnes, à des situations, à des problématiques. Il n'y a pas lieu de dire je ne peux pas gérer mon chef, je ne peux pas gérer mon chef de bureau, sinon mon chef de projet, je n'arrive pas, moi, le chef de projet, lauréat de l'université, à gérer une équipe, quoique j'ai été formé en ce sens. Donc, dans des environnements de plus en plus instables, elle est une soft skill indispensable. Je traduirai en langue arabe et je dirai que la morona, l'adaptabilité, في البيئات غير المستقرة خصوصا بشكل متزايد إنها مهارة مرنة أساسية. لما؟ أنا سأتيك la flexibilité mentale, c'est quoi exactement? C'est de nombreuses études affirment aujourd'hui à l'heure de la digitalisation, à l'heure de l'informatisation, l'automatisation, de l'intelligence artificielle encore, sont en plein essor. Que les soft skills s'avèrent plus importantes, plus influentes que les hard skills des fois. Parmi les soft skills essentiels en entreprise, nous trouvons la flexibilité mentale. Il faudrait adhérer à cette soft skills en adhérant à la manière adéquate, comportementale, surtout, et surtout à cette flexibilité mentale que nous voulons tous. Parce qu'elle fait partie des hautes, comment dirais-je, des fonctions cognitives. Bienvenue à nos hôtes de marque, à nos étudiants de l'Université Mohamed V et d'ailleurs. Elle correspond à la capacité de passer d'une tâche à une autre, de réfléchir à plusieurs solutions. Face à quoi? Face à un problème donné, mais aussi d'anticiper, de s'adapter dans des situations qui sont vraiment complexes. Et quand vous adhérez à ça, avec vos techniques, vous sortez gagnant d'une communication, d'une réunion, d'une vente. Et c'est ça l'impact de ce qu'on appelle al-murona al-aqliya ou la flexibilité mentale. Il y a une des wadaif al-idrak qui est l'aliyah. Waouh! Il se rapproche avec la capacité على الانتقال من مهمة إلى أخرى والتفكير كذلك في العديد من الحلول لمشكلة معينة ولكن أيضا للتوقع والتكيف في المواقع يعني المواقف المعقدة. وستأتينا دورة سوف تكون لأول مرة مذاعة على هذه الصفحة، صفحة جامعة محمد الخامس بالرباط. كيف نحل المشاكل؟ كيف نفهم المشاكل ونحلها بطريقة، طريقتين، ثلاث طرق، أربعة طرق في ساعة زمن هكذا أو أكثر. Avec elle, l'individu peut réorienter rapidement sa pensée vers une nouvelle tâche et trouver des manières de dénouer, يعني dénouer, يعني فك ربط, déficeler et résoudre un problème en associant réflexion et créativité. Des fois, quand on pense, il faudrait penser créativité pour qu'on pense d'une manière meilleure. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire maintenant. Maintenant, déjà, il faut aller directement vers les scientifiques, comme quoi il faudrait rendre les choses à César,
Flexibilité mentale, pourquoi c'est un véritable avantage? Et Christophe Deval, auteur de l'ouvrage Soft Skills, explique que l'intelligence émotionnelle et la flexibilité mentale sont deux compétences clés à acquérir déjà dans le cursus d'apprentissage, à la faculté, à l'école supérieure. L'intelligence émotionnelle permet de savoir gérer, si je puis dire, permet de savoir gérer une chose qui est extraordinaire, de savoir gérer nos vagues émotionnelles, parce qu'il y a des vagues émotionnelles qui viennent, nos émotions, nos ressentis, etc. Et la flexibilité mentale, surtout, elle permet d'autre part d'avoir des certitudes, d'accord, en cette période d'incertitude. Donc, quand vous êtes certain dans une période où il y a des incertitudes dans l'environnement, dans l'entreprise, des temps de corona, à titre d'exemple, je dirais bien, pour Christophe Deval, moi j'aime beaucoup ce livre-là, la flexibilité mentale consiste à voir ses pensées non comme la vérité, mais non comme quelque chose qui est véridique, mais comme un outil parmi d'autres et à prendre de la distance avec elle. C'est un peu ça. Il explique que la plupart de nos pensées sont programmées, certainement, sont programmées automatiquement. Cependant, c'est la flexibilité mentale qui nous permet de nous remettre en cause et de progresser. Donc, réflexivité, c'est autre chose, mais flexibilité mentale, c'est vraiment demander. Savoir s'adapter est un véritable atout. Oui, certainement. Mais la flexibilité mentale s'impose donc comme un support. C'est comme un support que vous achetez. C'est un support en vous, fondamental, de la pensée divergente déjà et de la créativité en même temps. Je dirai les choses en langue arabe, comme ça je serai encore plus clair. تبرز يعني المرونة العقلية أو يعني أو تبرز كذلك يعني كدعم أساسي للتفكير المتشعب والإبداع يعني هكذا. Il représente ainsi un atout de taille pour une vie professionnelle et personnelle plus ouverte et épanouie. Quelques astuces pour améliorer votre flexibilité. Avant ça, je lis un tout petit peu ce que vous écrivez. Bonsoir, bonsoir. Masa al-Nour, Masa al-Ward, Jumu'a Mubaraka, Tahiyati lakum jami'an. Wallahi, bonjour, bonjour, bonjour pour les revenants que nous n'avons pas vus depuis longtemps. Merci à toute personne de l'université, d'ailleurs, les étudiants, les professeurs et tout le monde qui nous rejoignent. Nous sommes vraiment ravis et que vous soyez parmi nous. Je suis ravi d'être avec vous déjà. هل المرونة تقتضي منا أن نتجاهل القيم والمبادئ حتى يمكننا مساعدة الآخرين؟ لا والله. يعني flexibility mentale dépend de l'objectif. Mais tout objectif qui n'est pas orienté vers les valeurs et les croyances et les convictions, surtout spirituelles, et religieuses, ne permettent pas une réussite fondamentale. سأقولها باللغة العربية، كل ما يأتينا من أهداف أو يعني من مرونة ذاتية أو مرونة عقلية هي مساعدة لتحقيق أهداف. إن كانت هذه المرونة تجعلنا بعيدين كل البعد عن قيمنا ومبادئنا، والله لا تليق، هذا رأيي الخاص، وهذا رأي الشرع، وهذا رأي الجامعة، وهذا رأي الطلبة، وهذا رأي الأساتذة كذلك. المعنى في السؤال يعني فلسفة معينة، أنا أعطيك ما فهمت. المعنى أننا في بعض الأحيان صراحة نكون مع ناس هكذا، يعني صدمة، يعني مواجهة، حتى في مجال المقاولة، وهذا مجالنا اليوم. يعني تكون أمام الناس تعيش معهم يومك يعني النقطة أنك من الضروري ألا تتجاهل، ضروري ألا تواجه، وفي بعض الأحيان أنا أقولها صادقا، في بعض الأحيان من الضروري أن تحتوي الوضع وأن تكون حازما جازما، وسوف نغوص في ذلك من خلال يعني فترة أخرى معينة بحول الله تعالى. تحية عطرة لكم والله، وشكرا لكم وللإخوة والأخوات. ونكمل quelques astuces maintenant pour améliorer votre flexibilité. Vous voulez être flexible? Déjà, vous faites ça. Moi, je vous le rappelle déjà. Prenez pleinement conscience de vos forces. قل لنفسك ما هي قواي.
et faiblesses encore. Mais il y a les نقاط الضعف لدي خصوصا اللغويه السلوكيه يعني عصبيه اشياء قد لا تنفع يعني فكر دائما في المفيد الا وهو يعني ما نسميه بالوبجكتيف او يعني l'objectif ou l'hadaf, hakada, shukran. Une meilleure connaissance de soi est un véritable atout pour avancer sereinement et expérimenter. Daruri nta'arfu ala datna, yani qiwana, thumma niqat du'afina, wa ma hiya din niqat du'af likay nuqawiha ba'daha. Comprendre ma manière de faire. Wallahi, ana fi ba'd al-lahadat akunu ma'a an-nas, akunu ma'a al-a'ila, ma'a al-usra al-karima, ma'a fi majal 'amali, yani akunu ma'a ashkhas wal-ashkhas yataghayyarun. Laysa hadha kadhalik kadhak, yani aw tilk, yani an-nas ladayhim tariqa wa kullu ka'annaka tata'amal fi ash-sharika aw fi al-muqawala aw fi al-idara ma'a ashkhas ma'a الكثير من 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 الكثير من 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 الطرق كثير من الافعال كثير من السلوكيات هكذا خذ الامر tirez profit de vos faussetés ou erreurs et rebondissez في بعض الاحيان لا تليق ان نبقى حبيسين كما نقول يعني في مشكلة معينة أو في شيء لا نتمكن منه يعني automatiquement il faudrait rebondir et recommencer faites preuve de résilience tout comme on avait vu l'avant-dernière fois. Travaillez votre intelligence relationnelle. On l'a fait avec 24 séances cette année. L'intelligence langagière, l'intelligence relationnelle et sociale encore, la PNL générative, la communication non violente, tout ça, c'est des compétences en or qui fournissent un effet considérable pour notre intelligence relationnelle, émotionnelle encore et collective. Sortez de votre zone de confort et osez innover. Chaque jour, c'est un jour d'innovation. Essayez de créer, on va faire une surprise, ça, ce n'est plus une surprise si je le dis, une séance sur la créativité et vous allez voir ce que font nos étudiants de l'université Mohamed V de Rabat. Et surtout, ça va être dans une semaine ou deux. Et c'est extraordinairement fait. Et mashallah alaykoum, mashallah. Donc l'innovation, osez innover, oser inventer, oser écrire, oser passer à l'acte, oser être dans une culture, essayer encore de dessiner, essayer de réfléchir d'une manière aisée pour surprendre votre personne. Inventer, créer, trouver, découvrir, considérer, estimer et encore penser d'une manière honorable, je dirais, et non pas adéquate. Honorable, l'adéquat, c'est un petit peu ce qu'on fait maintenant. Vous pensez à mes dires et vous pensez à beaucoup de choses que vous voulez me faire passer. Écrivez-le, comme ça on aura une réactivité encore extraordinaire. Je propose des conseils pour vous aider et pour m'aider encore à vous remettre en question. À faire face au changement, si je me permets, à avoir un cerveau dont la plasticité neuronale vous permette d'apprendre, à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est une discipline, c'est un concept, et c'est une manière extraordinaire, donc, de s'instruire encore. Osons apprendre de tout. Il faut qu'on sache écouter, il faudrait qu'on apprenne des gens, surtout les gens qui sont plus sages que nous. Pour ce faire, il faudrait une bonne écoute. Moi, je le dis, c'est une soft skill qui nourrit, encore notre réflexion, notre. Donc, une écoute active, osant apprendre de tout. Pour ce faire, il faudrait une bonne écoute. C'est une écoute active. Al-insat al-fa'al. Le comment de la chose maintenant. L'écoute active, c'est une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement et la reformulation, donc su'al jawab, reformulation et i'adat siyarat jawab, afin de s'assurer que l'on a compris au mieux le message qui nous a été adressé de notre interlocuteur et de le lui démontrer. On ne répond pas comme ça, il faudrait démontrer qu'on a compris. Il faudrait passer à la validation, tout comme on avait expliqué récemment. Vous pouvez pratiquer l'écoute active grâce à ces différents procédés. Par l'écoute silencieuse déjà, il faudrait qu'on écoute d'une manière silencieuse.
Vous ne dites rien, mais vous envoyez à la personne des signes pour lui montrer que vous recevez bien ce qu'elle vous dit. Donc oui, exactement, d'accord, naam, akid, hada huwa al-kalam sa'ib, ana asma'uk. Idha qulta li shakhs al-akhar ana asma'uk, annaka yani tabannayta ma sammaynahu bi al-muruna al-aqliya aslan. Yani vous acquiescez, vous validez, d'accord, c'est ce qu'on appelle acquiescer, accepter, vous validez et vous pensez soigneusement au dire d'autrui. Donc ana ufakkir fi kalamik. هكذا نتمرن على هذه المحاضرات أنت تفكر في كلامي إلى آخره. Donc vos pensées se nourrissent adéquatement. D'accord? Vos pensées se nourrissent quoi? Comment? Adéquatement. Par la relance, discuter et absorber les dires des autres, c'est-à-dire validation et réponse. Validation et réponse. Oui, نعم, أكيد, wallahi, حتى في ما نسمي بالاجتماعات ou les réunions. Par la reformulation, إعادة صياغة الجملة لكي يعني نجيب لكي تكون هناك تغذية راجعة مميزة للغاية. Par l'expression du sentiment. Il faudrait qu'on fasse valoir notre sentiment et le faire valoir à autrui aussi. C'est-à-dire, نبي لك بل راني قابلك بل راني فرحان بل راني قبلت الكلام ديالك مباشرة. Faire des exercices de respiration, c'est nécessaire pour une réflexion active, d'une réflexion mentale. Respiration et relâchement. Il faudrait qu'on soit dans le relâchement. Sachez aussi bien que moi que la réflexion, que la, c'est-à-dire le morona al-aqliya, هي التي تضع إطار للإجهاد, le stress. إذا كنت صاحب flexibilité mentale, cognitive extraordinaire, soutenue, bien cadrée, tu es très très bien dans ce sens-là. Donc la meilleure chose qu'on a étudiée jusqu'alors, c'est la respiration 4-2-4, si vous vous rappelez très très bien, ou le 8-2-8, c'est 4 secondes. زفير ثم نحبس الأنفاس ثم شهيق زفير حبس أنفاس شهيق وإعادة 4-2-4 ثم 8-2-8 هذه طريقة بديعة 8-2-8 كنت أقوم بها مع والدي رحمة الله عليه في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك ثم 4-2-2 4-2-2 هذا ما نسميه بتنفس الحية يعني إذا كان هناك يعني يأتيك النوم في القيادة أو يعني تكون يعني متعب بعض الشيء وتود يعني دقيقتين أو 5 دقائق أو 10 أكثر لكي تكون مستفيقا وواعيا أكثر إلى آخره 4-2-4 أو جربها 10 مرات 3 مرات في اليوم تعطيك نفع كبير جدا ولكن أحسنهما أحسنهم يعني 4-2-4 بالنسبة لي. Se mettre à la place de l'autre grâce à la réflexologie. Réflexologie, c'est une discipline qu'il faudrait apprendre. Faites un petit peu une recherche sur ça. Réflexologie, ça donne beaucoup d'aisance, ça donne une énergie exceptionnelle et c'est louable, c'est faisable de faire, ça ne demande pas grand-chose. Donc, faire du yoga encore pour alléger sa charge mentale et libérer ces tensions physiques. Moi, je dirais mieux que le yoga, si vous vous permettez. Pour nous, les musulmans, croyants entre parenthèses, nous avons des prières. Et quand on est dans la prière, surtout dans ce mois de Ramadan, nous sommes plus dans la prière orientée dua, orientée vers Dieu, etc. Mais d'une manière avec un discernement extraordinaire. Et sachez qu'après Ramadan, vous sentez que vous êtes à l'aise. Après des séances, après des prières 5 fois, 10 fois, 12 fois par jour, ça vous donne beaucoup d'aisance. Had l'aisance, hadi, ça donne beaucoup de force dans la flexibilité mentale et cognitive. Donc, faire du yoga, prier avec mesure, prendre 30 minutes à 1 heure par jour pour soi, c'est un équilibre, donc il faudrait qu'on s'équilibre davantage. Ça a été dit par notre professeur et scientifique Damasio, si vous vous rappelez très très bien, c'est un Portugais américain qui avait initié beaucoup, c'est un psychologue déjà, qui a initié beaucoup de bonnes choses pour nous. Donc il nous dit, il nous rappelle scientifiquement qu'il nous faut 30 à 1 heure par jour pour nous, pour qu'on puisse être dans l'équilibre. Donc 1 heure, une demi-heure à 1 heure. Miser sur la résilience,
Ça ajuste beaucoup le tir. Donc, tirer profit de ses erreurs déjà, oser innover sans stress. Quand on est dans l'innovation, imaginez pour les dames, pour les demoiselles, quand elles font beaucoup de plats, surtout dans les temps de Ramadan, des cakes, je ne sais pas, des gâteaux et plusieurs tartes, etc. Ça aide beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on ose innover sans stress, surtout, ça donne beaucoup de résilience et on mise beaucoup sur cette résilience qui est vraiment fine pour nous, chers étudiants. Faire des stages. Ça donne beaucoup d'aisance parce que vous êtes dans le réel, gagnez de l'expérience de vie professionnelle, en l'occurrence, essayez de croire en vous et aller au-delà de ce que vous pouvez faire, surtout dans l'apprentissage réel. Donc, d'autres techniques pour intégrer une discussion. Ça aide beaucoup. Réflexivité, on va en parler, mais encore souplesse cognitive, souplesse mentale. Je parlerai encore de la discussion qui devrait être fluide. Le courant qui passe, soyez intéressé par les autres. Oui, j'ai fait ça pendant des années et j'ai essayé de comprendre au mieux si je suis vraiment présent pour les autres, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner une fatigue? Non. Ça va me donner une émotion? Oui, certainement. Cette émotion, est-ce qu'elle va m'envelopper et me donner des forces? Pour ma vie, certainement, c'est ce qu'elle va me donner. Donc le courant passe, la discussion est fluide, le courant passe entre nous. Soyez intéressé par les autres, c'est la première chose qui est importante. Démarrer avec la fin en tête. Donc c'est une chose qu'on a appris autrefois avec Stephen Covey, moi je voudrais vous le rappeler, c'est l'idéal pour gagner en objectif de la conversation. Donc gagner en objectif, c'est démarrer avec avec la fin en tête, c'est-à-dire avec l'objectif en tête. Ne commencez pas les choses comme ça, mais il faudrait que ça soit en tête et écrit en plus. Ne soyez pas ennuyeux. Comme ça, vous ne vous ennuyez pas. Évitez les sujets qui fâchent avec les autres, parce qu'on parle de la discussion, qui agacent et qui irritent. Encore, ne posez pas de questions fermées. L'ouverture est souhaitée. La question fermée, si vous vous rappelez très très bien, c'est de demander avec une question et l'autre devrait répondre par un oui ou par un non, par un noir ou par un blanc. Donc automatiquement, vous fermez l'apport en communication avec les autres. Donc du coup, nous souhaitons que ce soit une ouverture qui est vraiment disposée ou prédisposée. Parler de quelque chose de commun avec les autres. Oui, c'est la meilleure des souplesses. Quand je parle avec des choses que tu aimes, supposons que tu adores le foot, supposons que tu adores la gastronomie, il faudrait que ou l'art, ou le violon, ou la discipline X ou Y, moi je t'en parle et automatiquement je crée un lien commun avec toi. Et créer quelque chose de commun, c'est naturel en nous. Soyez interactif. Les questions ayant un lien surtout avec la situation dans laquelle vous vous trouvez sont souvent les meilleures. Ceci est pour autrui également. Et avec soi, en termes de flexibilité, c'est pareil. Donc soyons zen et tranquilles, soyons calmes. Du coup, essayez d'aller vers le calme. Capacité de faire devrait s'apercevoir dans l'action, dans le comportement. D'accord? Un comportement fait et satisfait par soi-même et ou par les autres est un gain en estime et en confiance. Un logiciel, un rapport, dans une réunion et dire des choses qui sont ciblées, comme ça tu ne sors pas du lot, ça donne beaucoup de confiance en nous-mêmes, de sentiment de compétence, mais avant ça donne beaucoup d'estime de soi. L'estime de soi, c'est le jugement que nous avons de nous-mêmes, de l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est un peu positif. Ce que nous cherchons. Donc, encore une fois, le respect de soi est chose sublime, une valeur divine, je dirais. Cela se sentira chez les autres encore. Donc, tout ce que vous faites se sentira chez les autres et ils croiront à ça, du coup, si c'est vraiment naturel. Donc,
Il y a plusieurs choses qu'on pourrait parler, les fonctions exécutives. Je vais laisser ça pour plus tard parce que c'est en psychologie, c'est des choses, je pourrais en parler demain, Inch'Allah, dans le live qui va nous réunir avec les étudiants, nos étudiants de valeur de l'université Mohamed V de Rabat. Et ça va être les fonctions exécutives. C'est cognitif, c'est comportemental, et ça touche la planification, ça touche beaucoup de bonnes choses et surtout les neurosciences. Et c'est fin. Il faudrait qu'on sache un petit peu faire des choses comme ça. Je vais aller directement, si vous permettez, à l'adaptabilité pour voir un petit peu ce que ça donne. Al-muruna al-aqliya tada' itar lil-ijhad. Wallahi, katabtiha bi-ahsan tariqa, ahsan mimma qultuhu ana qabla qalil. Al-nuqta'ayn. L'adaptabilité. Ou apprendre à apprendre, c'est s'adapter. S'adapter avec un enfant, c'est déjà le meilleur exercice. S'adapter avec un adulte, c'est un exercice qui est fin. S'adapter avec un sage, ou s'adapter au processus d'un sage ou d'une sagesse, c'est encore très très fin. L'adaptabilité, ou apprendre à apprendre, d'accord? Pour multiplier les possibilités. Accorde en reconnaissant la flexibilité et l'adaptabilité d'un ou une collègue. C'est-à-dire, moi, je suis prêt à être dans l'adaptation, dans l'adaptabilité, avec des collègues dans un seul bureau open space. Vous connaissez le mot open space, c'est des bureaux qui sont ouverts. Donc, son ouverture au changement, sa capacité surtout à s'intégrer à de nouveaux environnements. Il faut que vous vous adaptez, sinon ça ne donne pas une aisance qui est formidable. L'aisance, c'est quoi? C'est que quand on s'adapte à la chose, il faudrait qu'on s'oriente vers cela. Avant la fin de notre cursus universitaire, il faudrait qu'on s'adapte à plusieurs personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, il y a des personnes qui sont comme ça, il faudrait qu'on s'adapte à tout le monde. معرفة كيفية تكييف العمل وتطويره. نعم، يجب الشعور به، ومرة أخرى قبول التشكيك بين قوسين في معرفة المرء ومعتقداته، والاستعداد للتعلم، يعني أن تنفتح، ومعرفة كيفية الملاحظة وكذلك الاستماع. Savoir s'adapter et faire évoluer son travail. Donc le travail devrait aller à bon escient. Il faudrait que cela se sente et encore. Je dirais, à accepter de remettre en question ses connaissances et ses croyances. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, il faudrait qu'on soit encore prêt à apprendre, à savoir observer et écouter. Très cher étudiant, القدرة على التكيف أو تعلم كيف نتعلم ميزة أصلية فينا وفيك لزيادة الاحتمالات. يدرك يعني مرونة الزملاء وقدرتهم على التكيف معهم، انفتاحهم على التغييرات، نعم، قدرتهم على الاندماج في بيئات جديدة خصوصا، ومعرفة كيفية تكييف عملهم وتطويره، وقبول كذلك ما نسميه بالتشكيك في المعارف والمعتقدات، والبحث أكثر، والاستعداد للتعلم، يعني قد يشكك في معلوماتك شخص، وأنت من الضروري أن تدافع عن نفسك بطريقة رصينة وسلسة للغاية. معرفة كيفية القيام بذلك، راقب واستمتع يعني واستمع كذلك بالاستمتاع، هذا هو المراد الذي نوده منا ومنكم أيها الطلبة الأعزاء، أيها الضيوف الكرام. نحن نتعلم، دوما نتعلم، هكذا قلها في نفسك منذ بداية. أنا أتذكر سنة أولى يعني في العمل، سنة أولى ضروري أن يعني يفوتغي بوسي، ضروري أن تعمل بجد، ضروري أن تأتي في الوقت. دائما نعم، ولكن سنة أولى مثالية. Apprendre à apprendre, c'est essentiel face à la rapidité d'évolution du travail. Les compétences dures, par exemple, ou hard skills, ou une durée de vie de plus en plus faible, il faut sans cesse avoir ces acquis, changer d'outils, développer une vision plus complète pour traiter des problématiques plus complexes. Je dirais encore, pour cela, il faut être prêt à apprendre constamment. Il faudrait qu'on soit à la merci de ce qu'on apprend. Il faudrait qu'on cherche davantage. On peut considérer l'adaptabilité comme la madre,
comme la maman de toutes les soft skills. S'adapter, c'est louable, s'adapter, c'est éminent. Outre l'importance de s'adapter, tout comme vous le savez, chers messieurs, mesdemoiselles, mesdames, constamment, obtenir un état d'esprit d'apprentissage permet de s'ouvrir au développement de toutes les autres compétences. C'est donc une porte qui ouvre sur toutes les pièces imaginables. Donc l'adaptabilité, c'est essentiel avec la réflexivité, avec la comment on appelle ça, le morona, la akliya, c'est un peu la souplesse mentale ou cognitive. Expliquer l'adaptabilité est plus facile que de l'exercer, certainement. L'adaptation psychologique, moi avec l'autre, on a fait ça dans la PNL, dans les systèmes de représentation, l'andima التمثيلية, البصرية, السمعية, الحسية, darasna البرامج العليا, les métaprogrammes, c'est un petit peu ça, cette adaptabilité que nous cherchons tous. Mais techniquement, nous l'avons déjà fait dans une séance précédente. L'adaptation psychologique est définie comme le processus qui entoure l'incessante interaction entre l'homme et le monde en mouvement dans lequel il évolue. C'est un peu ça. C'est extraordinaire de vivre ça. L'adaptation à tout ce qui nous entoure. Donc je m'adapte à tout. C'est pour ça qu'on a trouvé des difficultés avec des choses qu'on ne connaît pas, du coup, Corona. Mais il y a des choses avec lesquelles on s'adapte d'une manière facile. On accepte ce qui vient, on le comprend, on l'apprend et on l'entreprend déjà pour qu'on puisse aller au-delà de ce qui a bloqué un petit peu le process. L'adaptation à tout ce qui nous entoure, ceci renvoie à l'équilibre souhaité. Je m'adapte, donc je donne un résultat concernant mon objectif vis-à-vis de la situation. Je pourrais parler des heures et des heures sur cette thématique-là, mais je donne des conseils déjà et demain, inshallah, je vais statuer sur tout ce qui est technique avec nos étudiants universitaires. Donc, des conseils clés pour parvenir à vous intégrer efficacement au sein de votre nouveau milieu de travail, par exemple, pour l'adaptation, l'adaptabilité, pour cette souplesse. Faites preuve d'adaptabilité déjà, d'humilité. Vous connaissez le mot humilité avec H-U-M-I-L-I-T-E accent. L'humilité, c'est la modestie dans le travail. Quand vous êtes modeste dans le travail, même si vous êtes le meilleur ingénieur, le meilleur lauréat de l'université, quand vous êtes dans un lieu de travail, vous écoutez plus, vous donnez un petit peu de votre savoir, parce que vous êtes une équipe déjà. Donc, l'humilité, d'abord. Soyez rapprochés dans votre comportement, action. Surtout, il faudrait qu'on soit dans le rapprochement. Vous vous rappelez le métaprogramme l'Iqtirabi. L'Iqtirabi afdal bikathir, yani il gère très très bien les priorités. L'Iqtirabi fil barmaj al-lughawi al-asabiyya, nahnu nawad an nasil ila al-ahdaf, an yakuna hunaka intaj, an yakuna hunaka bay' wa shira, an yakuna hunaka naf' min khilal al-maharat wa al-dawarat. Fahimta qasdi akid, akhi al-talib, ukhti al-taliba, duyuf Kiram, soyez à l'écoute et ouvrez l'œil. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il faudrait qu'on écoute d'abord, il faudrait qu'on ouvre l'œil. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'oula. Hada kalam Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz. Thumma, procédez étape par étape. Ne faites pas tout en même temps. Vous êtes dans un statut d'apprenti. L'apprentissage va comme ça, étape par étape, et c'est fin. Montrez votre bon vouloir à chaque fois, à chaque jour, chaque semaine et chaque mois, surtout la première année. Montrez le bon vouloir, comme ça vous allez être dans une habitude de bon vouloir chaque jour et chaque jour. Et encore, je dirais, validez les attentes. Waouh! Validez les attentes. Aqulu bil arabiya, idhar al-qudra ala al-takayyuf. استمع وراقب نعم ثم خذها خطوة خطوة رجاء خصوصا في عملية التعلم والتدريب أظهر حسن نيتك يعني في مجال العمل ولو أنك في مجال المبيعات ويعني الماركتينج وإلى آخره حسن النية يعني يضيف ويضفي لك يعني الكثير من المزايا
تحقق من صحة التوقعات، وهذا أصيل فينا، لأننا لا يمكننا أن يعني نجزم على أن هذه النتيجة ستكون إلا إذا كانت لدينا يعني قوة إدراكية أو يعني معلومات صحيحة سليمة إلى آخره من هذا الملل. Comment vous vous adaptez à votre nouveau travail ? Ménager son énergie déjà, un nouveau emploi, un nouvel emploi demande beaucoup d'énergie, certainement, car il faut s'adapter à l'environnement déjà, et encore, il faut s'adapter aux collègues et aux nouvelles fonctions et aux nouvelles mesures d'après. Parce que quand vous allez dans un environnement, il faudrait qu'on s'adapte à tout ce qui s'ensuit. Des habits de circonstances, s'habiller propre, moi j'aime beaucoup, ça a été dit par mon défunt père, il me disait toujours, ne porte pas des habits nouveaux à chaque fois, et avec des couleurs, mais il faudrait que tu sois plus dans la propreté, comme ça tu seras très très bien accueilli là où tu es, dans le milieu de travail. Poser des questions. Et il faut qu'on pose des questions avec gentillesse, avec sourire, comme ça les autres nous donneront un petit peu ce qu'ils savent, et même s'ils ne savent pas la chose, ils vont la demander pour vous. Faites preuve de diplomatie, s'il vous plaît. Réflexion, oui, cognitif, oui, mais il faudrait qu'on soit véritablement dans la meilleure des prises de diplomatie. Il faudrait qu'on soit diplomate des fois, certainement, la plupart des fois. Faire des suivis. Quand vous avez un travail, assurez un suivi avec des mails, avec un téléphone, avec des messages et avec des oui. Avec des oui, tout comme on avait appris dans la PNL. Les trois premiers oui donneront le quatrième oui, certainement, de votre part et de la part d'autrui. Et faire des suivis, c'est exceptionnel. Prendre son temps, parce que vous êtes dans l'apprentissage. On n'apprend pas dans un mois ou deux et on finit le processus d'apprentissage. Non, c'est un petit peu courant et un peu long l'apprentissage, mais il faudrait qu'on le vive avec la meilleure des émotions. تتطلب الوظيفة الجديدة الكثير من الطاقة. وقلناها لأنه يتعين عليك التكيف مع البيئة بأكملها، رؤساء، زملاء، وظائف جديدة، ملابس للظروف، لاحظ أنك تتغير ومشت وإلى آخره، أن تلبس نقي هذا المطلوب، احترم الجدول هكذا، طرح الأسئلة بطريقة جميلة للغاية وبابتسامة، أظهر الدبلوماسية والرصانة يعني والحنكة لديك يعني في التعامل مع المعطيات والمعلومات وكل ما هي مهارات وكفايات. قم بالمتابعة رجاء، المتابعة من أحسن ما يكون في العملية التعلمية، أن تأخذ وقتك أكيد 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 أن تأخذ وقتك، وهذا هو المراد من مثل هذه الدورات عن بعد. Se familiariser avec la nouvelle équipe. Il ne faut pas oublier que pour s'adapter, il faut socialiser. Socialiser, c'est un verbe que j'aime beaucoup. Socialiser, être sociable, être socialisé dans la socialisation, c'est-à-dire rentrer dans le processus social. Vous devez dès lors entrer en contact avec les nouveaux collègues et créer des liens avec eux. Ne racontez pas surtout votre vie. La vie personnelle, on ne la raconte pas dans le milieu de travail. Du coup, mais tu peux parler de ton enfant, tu peux parler du foot, tu peux parler des choses qui sont un petit peu d'ordre général, mais jamais des choses intimes à vous. Ça va créer des problèmes par la suite. Et prenez ce conseil de votre coach, il ne faut jamais, jamais parler de tout ce que vous avez dans votre vie. Il y a des secrets quand même, il y a une intimité quand même. Les membres de votre nouvel entourage seront d'un grand soutien pour votre adaptation dans votre nouveau milieu. Et sachez, ça c'est à titre indicatif, que si vous êtes nouveau dans un environnement, ils vous accepteront comme il se doit, si vous êtes vraiment à l'aise et avec un sourire adéquat. يجب ألا ننسى أنه من أجل التكيف يجب أن نتواصل اجتماعيا. نعم أكيد، لذلك يجب عليك التواصل مع زملائك الجدد والتواصل معهم يعني بسلاسة. سيكون أعضاء الفريق الجديد دعما كبيرا أكيد لتكييفك في بيئتك الجديدة، وهذا هو المراد، وهذا هو الذي نبحث عنه يعني دوما ودوما ودوما.
Je pourrais parler de beaucoup de choses, mais je laisserai la pensée critique pour après. Et il y a des choses qui font merveille pour nous. Et déjà, moi, je parlerai, parce que la pensée critique, ça touche le relationnel, le langagier, débattre, argumenter. Vous connaissez tout ça, c'est des compétences de vie. Challenger le statu quo et réfléchir déjà à grande échelle. Et avec une vision à plus long terme, on ne prend pas un matériel, par exemple, pour une décision précise, on ne prend pas un matériel pour 2 ou 3 ans, alors que nous sommes vraiment dans une vision qui est lointaine. C'est déjà pas mal parce que la réflexion devrait être orientée vision, émission et objectifs stratégiques surtout, et non pas une vision qui est simple et comme ça. Ça permet encore de découvrir des solutions solides et gratifiantes sur la durée. Et c'est un peu ça votre côté stratège, côté stratégique. Deuxièmement, c'est une soft skill clé. Moi, je parle un petit peu de ce qu'on a initié depuis lors, c'est-à-dire la soft skills, développer cet esprit critique, dialoguer avec les gens, initier un débat, essayer d'être d'accord déjà dès le début. Et comme ça, vous touchez à un point qui est formidable, c'est la rétroaction positive. C'est une soft skill clé, puisqu'elle permet de distinguer et hiérarchiser les informations fiables dans l'énorme flux qui gravite autour de nous. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'on comprend par cela? Pour adresser ce sujet, nous promouvons sur cette page-là cette soft skills qu'on va appeler l'efficacité. Parce qu'on se doit d'être efficace avec notre manière d'être. Et l'une des manières d'être, c'est un peu notre langage, notre intelligence langagière, relationnelle et sociale. Elle permet de souligner une chose qui est formidable, des comportements qui permettent d'agir vite, d'accord? Et de façon concrète et avec réussite surtout. Mais aussi ceux qui permettent ou permettant de garder une vision claire des objectifs qui vont arriver et d'argumenter sur leur priorisation. Le premier d'abord, le deuxième, le troisième, le quatrième, selon le besoin. La créativité, c'est créer la différence, certainement. La créativité, c'est la capacité à innover, à penser différemment. Capacité créative, oui, créative, oui. C'est également savoir faire preuve d'initiative. Et on reparlera de ce point lors d'une soft skill qui est prisée dans le monde, surtout en Europe. C'est ce qu'on va appeler la proactivité, al-mubadara. Et al-mubadara, avec des exemples, ça va donner beaucoup d'aisance à plus d'un. Être créatif, c'est donc être proactif, générer de nouveaux élans, de nouvelles perspectives, des idées originales grâce à la réflexion, grâce à cette souplesse mentale, et prendre du temps pour réfléchir encore à de nouvelles manières de faire. Donc, quand vous avez une manière ou deux, il faudrait qu'on passe à la deuxième, troisième, quatrième manière. Qu'est-ce qu'on appelle? Comment on appelle ceci? On l'appelle scénario le Badil, d'accord? Il faudrait qu'on trouve des solutions, non pas une seule. Ça va bloquer la personne, surtout mentalement. Il faudrait qu'on soit dans une réflexion qui est véritablement ouverte. La flexibilité mentale. Je finirai par ce point parce que c'est très important. Comme ça, on initiera beaucoup d'exemples, beaucoup d'exercices dans ce sens. Flexibilité mentale, yani Morona Souloukia, se définit comme l'aptitude à adapter son comportement ou ses actions que nous faisons au regard des modifications environnementales. C'est-à-dire, il y a des choses qui manquent. Qui manque, il y a des choses qui changent. Moi, je vais adhérer au changement grâce à cela. Donc, alors que la flexibilité cognitive, yani le morona al-idrakia, le morona al-ma'rifia, renvoie à l'habileté à résoudre des problèmes de manière flexible. Et on fera une séance sur ça, inshallah ta'ala. تعرف المرونة يعني بالترجمة السلوكية بأنها القدرة على تكييف سلوك الفرد أو أفعاله فيما يتعلق بالتغييرات البيئية أو السياقية كذلك، بينما تشير المرونة المعرفية إلى القدرة على حل المشكلات بطريقة مرنة ونافعة للغاية.
En PNL, si vous vous rappelez très très bien, nous avons parlé de la flexibilité comportementale. Ça a été défini par une capacité à modifier son comportement autant de fois que nécessaire pour atteindre les résultats souhaités. Comprenez les choses d'une manière très très positive. Il faut en quelque sorte devenir un caméléon. يعني تأخذ اللون في المحيط في الأول وبعدها تغير اللون كما تشاء. Cette qualité est indispensable au bon communicant que vous êtes et qui est capable à la fois de créer du lien en faisant preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre, valider l'autre et donner des rétroactions qui sont positives. Revêtir, représenter une stature ou un genre, c'est un petit peu le point commun pour cette flexibilité que nous demandons tous. Bien, je retourne vers vous pour voir Jumu'a Mubaraka, Wallahi l'Azim. L'humilité, c'est la modestie dans le travail. Oui, on pourrait l'être à la maison. L'humilité pour un parent, c'est il donne un petit peu les choses comme ils se doivent, avec les normes éducatives. Pour un professeur, pour une institutrice, quand on donne de l'humilité, quand on fait preuve d'humilité, c'est comme, moi je dirais, moi j'adore ce. C'est quelqu'un qui est, par exemple, un ingénieur informaticien, et il y a des stagiaires avec eux. Et quand un autre informaticien, un ingénieur ou un technicien qui vient vers eux, et ils ne savent pas véritablement corriger une erreur ou assurer un travail, il leur fournit un petit peu de l'aide avec la manière qu'il connaît déjà, et ça donne beaucoup d'aisance. Et ça, c'est de l'humilité dans le travail. Masha'Allah, Allah yibarak fikoum. أنهينا هذه الحصة يعني بين قوسين، هي سريعة ليست كعادتها، ولكن يعني إن وددتم أن أتحدث عن نقطة معينة نكمل، يعني لدينا تكملة يعني لهذه الدورة، خصوصا الفلكسيبيتي مونتال اي كونيتيف، يعني غدا مع الطلبة على الساعة 4:30 على صفحة الطلبة أولا، ثم سننقلها على صفحة بول في اتوديونت، وهكذا سوف نسمع منهم وسوف نوجههم وسوف تكون هناك اعتبارات وأساسيات وأمثلة وما نسميه بالتمارين الفعالة والفعلية هكذا. Le moment de faire preuve de flexibilité en arrondissant les angles. Il faudrait qu'on soit vraiment un تكون مرنا يعني أيضا تعلم تسوير الأمور. يعني أن تكون إيجابيا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هل نشعر أنه من المحتمل أن ينشأ صراع مع زميل لنا أو زميلة لنا في العمل، خصوصا في أول وهلة أو أول أيام يعني الشغل؟ لا والله، حان الوقت الآن لتكون مرنا في تجانس الأمور مع الإخوة والأخوات، مع الزملاء، مع كل الناس، مع المحيط. المحيط فيه سلوكيات وفيه ناس وفيه هوية وفيه يعني دي تمبيرامون وفيه دي بيرسوناليتي. هذا لا يعني أننا سوف نتخلى عن وجهة نظرنا لكي أجيب الأخت الكريمة معنا، لكن دعونا نتذكر أن التواصل هو فن فتح الأبواب وليس إغلاقها. هذا هو التواصل، وإلا لن نتناوله من خلال دروس وتدريب وإلى آخره. الفكرة المميزة هنا هي محاولة وضع نفسك في مكان الآخرين وتبني وجهة نظرهم لفترة قصيرة قصيرة قصيرة. ونظرا لأننا اتخذنا خطوة محاولة فهمنا أو فهمها حقا، فهناك فرصة جيدة أن يقوم محاورنا بنفس الشيء. إذا قمت أنا بالسلوك، الآخر يقوم تقريبا بنفس السلوك. Mon comportement nourrit le comportement de l'autre. من خلال تغيير نظرتنا نفتح أبواب العلاقة. اكتبها رجاء، اكتبها في ذهنك كذلك. نفتح أبواب العلاقة، يعني من خلال تغيير نظرتنا للأشياء نحن نأتي بالطاقة الإيجابية والبناءة القليل من العبقرية، وبالتالي نضع الآخر في وضع يمكننا من تحقيقه أيضا. أنهي بمثالين.
مثال أول لشخص لما يدخل عنده المدير أو رئيس المصلحة أو رئيس يعني المباشر إلى آخره، يقف يعني وقوف احترام. هكذا أنا وقفت، لما أقف والله الآخرون لن يكونوا مثلك، أنت وقفت احتراما لمجيئه لكي تتحدث إليه، وهو يقول لك اجلس، نحن سنجلس معا كي نتحدث في العمل. هذه واحد، لاحظ أن بعد ذلك سوف يأخذ انطباع عنك على أنك شخص صاحب هوية، يعني صاحب تربية، صاحب علم. العلماء يعني الذين يفيدون يقومون بمثل هذه الحركات يعني البناءة، وهي هذه ما نسميها في الأصل يعني la souplesse. La souplesse dans le comportement. Si tu es souple, tu feras un petit peu ça. Donc, automatiquement, هذا مثال ليس إلا. المثال الثاني هو أنا قلت قبل ذلك قبل شهور وأحببته في مجال عملي، كان لدي رئيس والله أذكره إلى غاية هذه اللحظة. كنت متى كتبت له بريد إلكتروني أو رسالة إلكترونية أكتب في الأخير باللغة الفرنسية ميريسبي، يعني احتراماتي أو احترامي لك، يعني مرة اثنين ثلاثة أربعة هو يقرأ، ولكن يبقى منبهر بطريقة خاصة. يعني بعد أن كان في حفل المغادرة قال كلام عن الكل وشكر رجل كان يكتب له دائما ميغسبي لكل رسالة إلكترونية، وكنت أعرف أنه كان يتحدث عني. أنا لا أقول هذا لكي أتحدث عني فقط، لا والله، يعني قيمة مضافة في كلمتين ميغسبي احترامي لك، يعني تعطيك انطباع وتعطي على أنك صاحب قيمة، والآخر لا يمكن أن لا يأخذ قيمة غير قيمتك. أنت من يعطي القيمة للناس بسلوكك، وتذكرها جيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين، وتحياتي لكم من جامعة محمد الخامس بالرباط، ونحن نتعلم وإياكم نستفيد ونفيد. نتمنى لكم يعني يا رب الكريم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا حنان يعني أن يقبل منا هذه الأيام صياما ويعني قياما ويعني جهدا وتعلما وكل شيء. يعني خذ المثال من أحسن الناس، وخصوصا منك أنت يا أحسن الناس. أنت طالب العلم، تحفك الملائكة أينما حللت، وأنت طيب مبتسم وتفتح الآفاق، لأنك صاحب علم، لأنك تبحث عن المعلومة، لأنك دائما تبحث عنها وتؤديها على أحسن وجه. أنت أحسن سفير للجامعة، أنت أحسن سفير للوالد والوالدة، بطيبتك، بسلوكك، بطريقتك، بلغتك، باحتوائك للأمور، وخصوصا وخصوصا قبل كل هذا بمرونتك العقلية والمعرفية. طيبتم، طاب مساءكم، وإن شاء الله يعني نلقاكم على خير غدا الساعة 4:30، يعني في فقرة والله مهمة للغاية بحول الله تكون مهمة، مع طلبة جامعة محمد الخامس في طاولة مستديرة نافعة لا محالة. حياكم الله سبحانه وتعالى إخوتي الأعزاء، والله نسلم عليكم ونقول لكم أهلا وسهلا دوما بمعكم من خلال هذه المحطات التدريبية النافعة والنافعة والرافعة كذلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي الغالية.